D'abord, le premier défi, c'est la réglementation du secteur de la presse en ligne. Vous savez très bien qu'il y a un régime général de la presse qui est là, mais qui n'a pas pris en compte la presse en ligne. Raison pour laquelle, au niveau de l'association des professionnels de la presse en ligne, nous sommes en train de se battre aujourd'hui comment on peut avoir une loi sur la presse en ligne. Et raison pour laquelle nous avons même élaboré un avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi a été élaboré il y a juste un an, mais qui n'est pas encore atterri sur la table de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher un porteur de cet avant-projet de loi. Nous avons même rencontré les ministres pour lui présenter le projet, mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que le ministre n'est pas trop partant pour une loi spécifique. Mais j'ai l'impression que le gouvernement, même à travers la HAC aujourd'hui, sont en train de faire une autre loi pour la presse en ligne. Peut-être insérer ça dans les régimes généraux de la presse. Mais nous, on a une préoccupation. Est-ce qu'on doit élaborer un projet de loi sur la presse en ligne sans consulter l'association des professionnels de la presse en ligne? Je pense que nous sommes mieux placés pour faire des propositions à la HAC ou faire des propositions au gouvernement. Le second défi, c'est le modèle économique. Vous voyez, comme vous avez vu lors de notre échange, il y a un conférencier qui a bien développé comment les promoteurs des sites peuvent gagner de l'argent. Le troisième défi, c'est la sécurisation physique des journalistes de la presse en ligne. Parce qu'un journaliste de la presse en ligne est rapide. Vous voyez, il est aujourd'hui plus vif que la presse classique. Raison pour laquelle il y a même un problème de différence entre un journaliste citoyen, qui est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, mais qui donne de l'information brute. Par contre, un journaliste professionnel, lui, il est toujours soumis à des règles. Vous voyez, il ne peut pas donner l'information comme un blogueur, un activiste, mais lui, il est soumis à des règles déontologiques. Il doit se soumettre à des règles déontologiques et ne pas faire ses dérapages déontologiques et donner l'information. Mais il a besoin d'une protection, vous voyez, une sécurisation physique. Et ce sont ces trois défis que l'appel Mali compte y relever.